Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme de ce soir, on aura 8 rencontres NBA. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse, de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée. N'oubliez pas aussi que vous pouvez recevoir gratuitement chaque semaine un pari que je partage de mon groupe privé en vous inscrivant au lien dans la description. Et si vous souhaitez en savoir plus et recevoir tous les paris que je partage dans le groupe privé et consulter mon bilan détaillé, vous avez là encore les liens dans la description. Cette vidéo a pour but de vous conseiller, de vous donner des infos et des pistes sur des values, mais ce ne sont pas forcément les paris que je partage dans mon groupe privé. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838, qui est aussi appelé Pinnacle, et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleures cotes du monde. Quand vous faites des paris, c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure cote possible. Donc, si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes cotes et augmenter vos gains dans les paris sportifs, vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect qui vous donnera accès à PS3838 ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription. Et maintenant, c'est parti pour les analyses. Premier match, on a Cleveland qui reçoit Atlanta. Donc Atlanta qui, d'habitude, hein, réussit plutôt bien face à cette équipe des Cavs. Alors c'est des matchs de la saison dernière. On reste donc sur 4 victoires pour une défaite. Et forcément, la dernière, il n'y avait pas Donovan Mitchell, ce qui fait une grosse différence. On avait Atlanta voilà, qui a gagné 100 de 6 points. C'était le match du play-in. Après, on a des victoires de 24 points, 8 points et 3 points. Et on a le dernier match, le plus ancien, qui était une victoire de, enfin sur les 5 dernières rencontres, qui était une victoire de Cleveland de 6 points. Je pense que c'est quand même plutôt bien mis. Cleveland est quand même beaucoup plus costaud que la saison dernière avec l'apport de Donovan Mitchell. Ce qui pourrait peut-être être intéressant plutôt pour moi, ça serait partir sur le scoring de Trae Young. Trae Young qui réussit quand même plutôt bien face à cette équipe de Cleveland qui défend voilà, moyennement sur le pick and roll. Sur les 5 dernières rencontres, on avait 38 points de Trae Young, 30 points, 41, 35 et 24. Donc plutôt scoring sur Trae Young ce soir sur ce match. Voilà, je vous montre juste voilà, les incertitudes pour ce soir du côté de Cleveland. On a Kevin Love, Caris LeVert et Dean Wayne qui ne sont pas sûrs de jouer ce soir pour les Cavs. Deuxième match, on a Indiana qui reçoit Orlando. Donc les deux équipes se sont jouées il y a 2-3 jours, enfin c'était le dernier match. Indiana s'est imposé seulement de 1 point, donc c'était déjà sur le parquet d'Indiana. Là on a des cotes à 1-4, 3-2. Lors du dernier match en clôture, on était à 1-4 pour Indiana et 3-54 pour Orlando, donc sans la marge. Donc ça veut dire que de base le bookmaker avait coté un petit peu plus bas Indiana sur le premier match. On a eu un match serré, la cote a légèrement remonté. Voilà, pour moi il n'y a pas de value, c'est plutôt bien mis ce soir. Et on a toujours la ribambelle de joueurs absents ou incertains pour Orlando. Troisième rencontre, on a Chicago qui reçoit Boston. Boston, voilà, très très grosse performance. Hein. Premier de la conférence Est, 80% de victoires comme vous pouvez le voir. Et ils sont sur 9 victoires de suite, peut-être la 10e ce soir. Alors, je trouve que les cotes sont plutôt bien mises pour la victoire en sec. Après, je trouve que ça peut être intéressant, c'est sur le victoire du premier quart-temps de Boston à 1,65. Je trouve que c'est quand même un poil haut. On a sur les 5 dernières rencontres entre les deux équipes, bon, Chicago a gagné le dernier de 5 points à Boston. Mais après, on a Boston qui gagne de 9 à l'extérieur, Boston qui gagne de 13 à l'extérieur, Boston qui gagne de 10 à domicile et Boston qui gagne de 1 à domicile. Donc ça, c'est pour le premier carton. Et on a globalement quand même une équipe de Chicago qui a quand même un peu de mal hein, sur les premiers cartons. C'est pas vraiment leur fort. Donc voilà, plutôt premier carton à 1,65 parce que je trouve que voilà, les cotes sur le match sont plutôt bien mises. Quatrième rencontre, Milwaukee qui reçoit Portland et Portland qui va être privé de Damian Lillard qui s'est blessé lors du dernier match. Donc il devrait être absent à minima, vu les infos, une ou deux semaines. Et de l'autre côté, pour Milwaukee, on a pas mal de retours hein, puisqu'on a pas de Colocton qui revient ce soir. Et on avait aussi Grayson Allen qui avait loupé quelques matchs. Alors je sais plus s'il a joué le dernier match. Ouais, s'il a joué le dernier match. Mais qui revient. Pareil, Jrue Holiday est revenu le dernier match. Donc on a eu pas mal de renforts du côté de Milwaukee, malgré déjà leur bon début de saison avec ses absences.
Je pense que ça va être compliqué quand même pour Portland sans Damian Lillard. Je trouve que la cote est, on va dire, un poil haute. J'en ai mis peut-être encore un petit peu plus bas pour Milwaukee. Donc voilà, légère value pour moi sur le money line. Mais bon, on serait peut-être sur du 1,24 à 25. C'est très léger. Sinon, je pense que voilà, ça va être quand même assez compliqué pour Portland. Cinquième rencontre, Minnesota qui reçoit Miami, et Miami qui est beaucoup touché par les blessures depuis quelques matchs. Et ça se ressent dans les résultats avec 3 défaites de suite, même si de base, hein, Miami ne fait pas un début de saison extraordinaire. Donc on a Jimmy Butler qui est absent et on a la ligne arrière, hein, globalement, Gabe Vincent, Tyler Herro et Duncan Robinson qui est incertain. Pas facile hein, pour Miami. Après voilà, je ne toucherai pas tout de suite au match parce que les cotes pourraient bouger en fonction de la présence ou non de ces joueurs-là, mais je pense que ça ne va pas être évident pour Miami. On voit que Minnesota réussit plutôt bien face à cette équipe du 8. Et du coup, si ces joueurs ne jouaient pas, on a globalement du coup Bam Adebayo qui serait la menace offensive numéro 1. Mais Bam n'a pas forcément un match-up facile ce soir face à Rudy Gobert. Si on regarde un petit peu les derniers matchs de Bam Adebayo, face à Rudy Gobert, donc quand il jouait encore à Utah, Bam Adebayo c'est 13, 17, 19, 14 et 9 points. Donc on n'a pas du Bam Adebayo qui explose tout face à Rudy Gobert. Et notamment Tyler Herro, Duncan Robinson, Gabe Vincent sont pas là, bah ça va être quand même être lui la menace offensive numéro 1. Donc voilà. Je touche pas encore en fonction des absences ou non, mais plutôt Minnesota quand même. Sixième rencontre, on a les Pelicans qui reçoivent les Warriors. Les Warriors qui sont en back-to-back, qui ont enfin gagné une victoire à l'extérieur hier justement face à Houston. Et donc 127 à 120. Victoire quand même un petit peu, entre guillemets, pas facile, hein, parce qu'on a eu une équipe de Rockets qui se sont battus, malgré un pourcentage assez ouf hein, de Golden State, hein, qui finit à 51% à 3 points, et avec un très très gros Klay Thompson, hein, qui fait le meilleur match de sa saison, avec 41 points dans le match, à 10 sur 13 à 3 points, donc très très gros match de Klay Thompson. Là on est en back-to-back, est-ce qu'il va jouer ce soir? Pour l'instant on n'a rien, mais bon. On ne sait pas s'il va être mis au repos. Difficile de voir Klay Thompson refaire le même match. Surtout que bon, Houston, ça reste quand même une des plus mauvaises défenses de la NBA. Là, les Pelicans sont quand même au-dessus, hein, dans le 10e en defensive rating. On a vu que Golden State avait quand même beaucoup de mal cette saison à l'extérieur. Donc voilà, je ne serais pas trop du côté Golden State ce soir. Après, le problème, c'est que de l'autre côté de New Orleans, on a l'incertitude de Zion Williamson. Donc voilà. En attente sur ce match, mais on va dire que si Zion joue, je serais quand même plutôt New Orleans. J'ai quand même du mal à voir Klay Thompson refaire une perf pareille. Et quand on se dit que finalement Golden State ne gagne que de 7 points en étant à 51% à 3 points avec un énorme Klay Thompson, si ça redescend sur les 35-40% et que Klay Thompson fait ses matchs habituels de 17-18 points, ça pourrait être plus compliqué pour Golden State ce soir. Septième rencontre, on a OKC qui va faire face à New York. New York qui est en back-to-back, hein, qui a joué hier face à Phoenix. On a deux équipes qui se sont déjà rencontrées avec un score assez fleuve, hein, puisque lors du dernier match, donc c'était il y a à peu près une semaine, le 13, on a eu 135 à 145, donc victoire de OKC 135-145. Alors c'est pas du tout ma spécialité, mais peut-être qu'un over pourrait être intéressant déjà au vu du dernier match, et puis aussi vu les caractéristiques des deux équipes. On a des équipes avec un pace assez élevé, 3e pour OKC, 11e pour New York. Et on a deux équipes qui sont très bonnes hein, sur le jeu en transition. Et qui, notamment OKC défend assez mal sur la transition. Et on a New York qui est vraiment dans la moyenne au niveau défensif sur ce point-là. Donc peut-être un over pourrait être intéressant. Mais voilà, je vous dis, c'est pas du tout ma spécialité. Mais je pense qu'il devrait y avoir encore pas mal de points. Hein. Si on regarde les deux dernières rencontres, donc j'avais dit 145-135. Et le match d'avant, 127-123. Après, plutôt, sinon, OKC sur ce coup. OKC reste sur 3 victoires de suite contre New York. Et comme je dis, New York est en back-to-back, donc peut-être un petit peu de fatigue, plus le voyage, tout ça. Donc plutôt OKC, même si c'est pas si évident que ça. OKC, j'arrive pas trop encore à savoir si ça joue bien ou si ça a eu un peu de réussite sur le début, avec des perfs assez folles de chez Gibbs Alexander. Et dernière rencontre, les Clippers qui reçoivent Utah. Utah, toujours assez impressionnant hein, sur ce début de saison. Très difficile de se prononcer sur ce match vu qu'on a Paul George qui est incertain pour ce soir. Donc forcément, ça change beaucoup de choses. On a Kawhi qui est revenu, mais qui n'est pas le Kawhi qu'on a connu. Hein, beaucoup moins d'impact offensif dans le jeu. Donc
Paul George est vraiment très important. Et comme j'ai déjà dit, voilà, offensivement, c'est déjà très compliqué pour les Clippers. Donc sans Paul George, ça pourrait être très difficile. Donc voilà, on ne prononce pas sur ce match. On attend de voir si Paul George joue pour voir s'il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. C'est fini pour cette carte de ce soir. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.